Enfin, c'est pas beaucoup de monde, hein. Bon, c'est décidé, on s'en va. Pas question. C'est une connerie d'attendre ici. On n'a pas vu une voiture depuis hier, on peut attendre des mois. La règle numéro un, c'est de ne pas s'éloigner de la voiture. On ne bouge pas d'ici. J'ai la responsabilité de cette mission, c'est moi qui prends les décisions et je vous dis, on bouge. Et moi, je vous dis d'aller vous asseoir dans ma voiture et de ne plus m'emmerder, c'est un ordre. Un ordre? Vous me donnez des ordres maintenant. Je vais vous ramener vivant, Perrin, faites ce que je vous dis. C'est moi le chef de cette expédition. Vous n'êtes rien du tout. Comment? Vous savez pourquoi on vous a choisi? Parce que vous êtes comme la petite Benz. Vous ne pouvez pas faire un pas sans vous casser la gueule ou provoquer une catastrophe. Voilà pourquoi on vous a choisi. Je ne voulais pas vous le dire, mais vous me forcez à le faire. On est paumé en pleine brousse parce que l'autre dingue, là, Meyer, a des théories sur la malchance. C'est pas vrai. Mais si, mon pauvre vieux. Votre sagacité, votre esprit déductif, ils se sont foutus de votre gueule. Je suis désolé de vous faire de la peine. Mais je ne veux pas qu'on vous retrouve à 20 km d'ici, mort d'épuisement. Installez-vous dans la voiture et essayez de dormir. Je vais vous casser la gueule, Campana. Pas m'en vouloir, Perrin, j'étais pas d'accord avec eux. Mais... Défendez-vous. Faites pas l'idiot, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous avez fait mal? Attention, il y a un arbre, là! Une seconde! Voilà. Vous pouvez y aller. Ah, ça va, maintenant, calmez-vous! Perrin! 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 Perrin, vous m'entendez? Oh, le con!